Salut à tous les amis, c'est Kardex et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode du stade de foot. Donc c'est le deuxième épisode et ce sera l'épisode final. Pardon. Et donc vous vous souvenez, on s'était quitté sur la finition des deux tribunes. Hein. Donc là on va on va faire maintenant ici l'arrondi. Et donc là, on va terminer ce magnifique stade. Hein. Donc j'espère vraiment que la fin va vous plaire. De toute façon, il est là, hein, le vrai stade, hein, celui qui est terminé. Donc voilà, on va commencer directement en prenant la pierre. D'accord ? Donc vous prenez la pierre. Et on va tout simplement se rendre, juste ici. À ce niveau-là. Donc hop, je vais quand même aller voir, hein, mais je pense que c'est bien à ce niveau-là. Voilà, voilà. Hop, ouais, donc c'est bien au dernier bloc de là. Parfait. Donc on vient, hop, au niveau ici, au niveau de ce bloc-là, on va aller tout en bas, hop, juste là, d'accord, donc juste à la limite ici. Et là on va commencer, donc écoutez bien ce que je veux dire comme instruction. On va faire ici, 1, 2, 3, 4, d'accord, tout simplement. Puis on se débloque, ici on va faire 1, 2, 3, vous voyez qu'il y a un petit bloc de décalage. Puis là on va toujours être en décalage en fait. Donc là on a fait 4, ici on a fait 3, ici on va faire 2, hop. Puis ici on va faire 1, 1, 1 en décalage. Puis là on recommence 1, 2. Puis ici 1, 2, 3. D'accord. Puis 1, 2, 3, 4. Puis ici 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et ici on va faire 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 tout simplement. D'accord. Donc ça nous donne ça. On va aller faire pareil sur le côté gauche. Donc on vient à ce niveau-là, hop, à la limite, on vient là et on recommence. 1, 2, 3, 4. Puis 1, 2, 3. Puis 1, 2. Puis là, 1, 1, 1. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Là, même sans regarder, vous allez voir que en démarrant d'ici, on va tout simplement se retrouver au bon endroit pour terminer ce mur. Alors hop, 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 hop. Et voilà, on arrive pile au bon endroit. Franchement, si ça c'est pas magique, voilà. Donc vous pouvez voir que là, on a le mur qui est fait. Donc hop, voilà. Donc là, encore une fois, je vais vous montrer ce côté-là. Et par après, vous allez devoir faire le côté qui est là-bas. Mais là, encore une fois, je vous rappelle hein, que c'est toujours le même. C'est exactement le même, la même technique qu'il faudra refaire de ce côté-ci, vu que le stade est vraiment égal partout. Donc voilà. Alors là, je vais quand même aller regarder combien de blocs il faut rajouter au niveau de la hauteur. Hein. Voilà, voilà. Donc en fait, il faut rajouter les blocs. Bah, en fait, il faut faire le bloc au niveau de la hauteur de là. Mais bon, je vais quand même regarder. Donc il faut rajouter 1, 2, 3. 4, 5, 6, ok. Donc là, vous allez rajouter 6 blocs. Donc on va voir si c'est vraiment ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop, parfait. Donc là, vous rajoutez 6 blocs en hauteur partout sur tout ce qu'on vient de mettre. Donc voilà, voilà, vous rajoutez ça partout. Là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, vous rajoutez ça partout. Et du coup, ça va faire une grande arche au niveau de la hauteur. On va se retrouver tout de suite une fois que ça sera fait. Alors voilà les amis, vous pouvez remarquer, j'ai donc terminé de faire toute la grande arche ici. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir prendre ici le béton bleu. Et on va faire les genres de piliers, je vais vous montrer hein, les petits piliers qu'on a en fait sur le mur. Hop, vous voyez ici on a tous des petits piliers. Eh bien on va faire tout simplement ces piliers, d'accord. Donc hop, de toute façon c'est toujours 4 blocs sauf là, ouais. De toute façon je vais vous montrer comment on va faire. Donc hop, on va commencer par n'importe quel côté, voilà, par exemple ici. On va commencer, on va faire, c'est juste que c'est 1, 2, 3, 4, 5 en hauteur, je pense. 5 ou 6, je vais aller voir. Je vais aller voir pour être sûr. Hop, ok, c'est 6 du coup. Parfait. Hop, donc c'est juste que là. Hop, il doit rester juste un bloc là, donc c'est 6 blocs bleus. Donc on en a fait un là, on va en faire un également ici. Ici, voilà, hop, 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 voilà, juste là, puis là, on en refait un juste là, voilà, là, on en refait un juste ici, voilà, puis là, on en fait un là,
D'accord. Puis ici, on en fait un là. Voilà. Là, on en fait un juste là. Donc, il aurait juste resté un bloc là, comme ça. Et donc, bah là, c'est déjà bon pour ce côté-là. On va faire l'autre côté. Donc là, hop, pareil. On en fait un ici. Puis on en fait un là. Voilà. Puis on en fait un ici. Puis on en fait un là. Ensuite, on en fait un ici. On en fait un là. Et puis on en fait un, hop, juste là. Parfait. Donc là, hop, je vous laisse sur une petite vue. Voilà, vous pouvez voir que c'est fait là et là. Donc là, il nous reste juste le milieu ici. Donc là, on va compter 1, 2, 3, 4. Et là, on fait, hop. Puis là, on refait 1, 2, 3, 4. Hop, donc il doit y avoir 4 d'espace hein, entre ceux-ci. Là, on fait pareil. 1, 2, 3, 4, hop. Et là, pareil, hop, 1, 1, 2, 3, 4, hop. Là, on refait encore le même. 1, 2, 3, 4, hop, et là, pareil. 1, 2, 3, 4, et voilà. Du coup, ça nous donne ça. De toute façon, si vous les mettez pas au bon endroit, c'est pas trop trop grave, hein, mais bon, voilà. Au moins, là, c'est fait. Donc, une fois qu'on a fait ça, on peut prendre ici les feuilles tropicales ou une autre feuille, hein, si vous voulez. Et donc là, on va tout simplement passer toujours en renfermant le pilier. Vous voyez ? Hop, toujours on doit renfermer le pilier comme ça. Donc hop, on vient là. Hop, là vous voyez, on fait bien le tour du pilier tout en refermant. Voilà, donc là on fait vraiment jusqu'au bout. Hop. Et voilà, tout simplement. Donc hop, vous pouvez voir, ça nous donne ça. Du coup, là c'est parfait. Une fois que vous avez fait ça, les amis, on va pouvoir prendre ici la pierre lisse et on va venir juste là, hop, juste ici derrière ce mur-ci, derrière le goal. Hein. Et là, vous allez pouvoir prendre la pierre lisse et faire 7 blocs. Donc n'importe où derrière ce mur-ci, vous allez faire 7 blocs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parfait. Une fois que vous avez fait ces 7 blocs, hein, comme je vous dis, c'est pas forcément au milieu, mais il faut au moins avoir 7 blocs derrière ce mur-ci. Vous allez tout simplement venir sur la gauche, hop, et on va tout simplement mettre de la pierre lisse. Voilà, 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 on continue, tant que je m'arrête pas. Hop, je vais m'arrêter, hop, aux environs d'ici. Et là, je vais continuer ce qu'on avait commencé là. Donc, hop, le dernier, ici, le deuxième rang. On fait ça. Et on va tout simplement s'arrêter au niveau où les deux se rejoignent. Hop, parfait. D'accord. On va faire pareil de l'autre côté. Donc là, on vient. On va s'arrêter à un endroit propice. Hop, 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 hop. Voilà, à peu près ici, pareil. Hop, on vient là. On continue le trajet. Et voilà, c'est parfait. Et voilà. Du coup, là, vous pouvez voir qu'on a on a fait genre un petit espace ici. Il faut juste remplacer tout le vide. Donc quand je parle du vide, c'est le vide à ce niveau-là. Hein. Tout simplement, vous remplissez en fait tout simplement tout le vide au niveau des dalles ici. Et donc vous remplacez vraiment partout, hein, vraiment jusque là-bas et même de l'autre côté. Vous remplissez tout le vide jusqu'à où on a délimité. Hein. Voilà, donc tout ça. Et on va se retrouver tout de suite une fois que ça sera fait, tout simplement. A tout de suite les amis. Alors voilà les amis, vous pouvez remarquer, j'ai donc terminé de faire toute la petite plateforme hein, ici. Elle est vraiment terminée. Donc on va pouvoir prendre maintenant les vitres teintées en blanc, hop, ici, voilà. Et là on va tout simplement faire tout un espace vitré à ce niveau-là. Donc on commence ici, on fait ça, hop, hop. Et là on fait tout simplement tout un espace vitré qui va entourer ici le stade. Hop, 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 on fait ça vraiment tout autour ici, hein.
Alors voilà, hop hop hop. Voilà, on entoure et hop, parfait, nous avons terminé. Donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir maintenant faire les petits escaliers ici, hein, tout ce qui est ici hein, en bleu, on va pouvoir le faire. Donc déjà ce qu'on peut faire, c'est tout simplement prendre, alors ici, enfin déjà ouais, ce qu'on va faire c'est prendre ici la pierre, on va faire ici, on va commencer à ce niveau là, on va faire 1, 2, 3, 4. Là on recommence le même, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et là pareil, 1, 2, 3, 4. Ça nous donne ça. Maintenant on va mettre à chaque fois 2 en dessous. Donc quand je vous dis 2 en dessous c'est 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. D'accord, ça nous donne ça. On va faire de l'autre côté le même. Donc là, hop, au moins, si vous n'avez pas bien compris, je vous le remontre. On fait donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, hop, et 4. Et puis là, à chaque fois, on fait 2 en dessous. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Hop, voilà. D'accord? Une fois qu'on a fait ça, on peut prendre le béton bleu. On va commencer à partir du même niveau que là, sauf qu'on va le faire donc juste ici. Donc là on continue comme ça, hop hop hop. Et on va s'arrêter au niveau, hop, de là, d'accord. On fait pareil de l'autre côté. On vient là, on fait ça, on va s'arrêter au même niveau. Voilà, d'accord. Alors là je regardais, mais normalement, hop, ça vient un cran plus loin je pense. C'est bien ça. Ça vient un cran plus loin. Donc là, pareil, on remet un ici. Hop, vous voyez, pour dépasser d'un bloc. Et là-bas, on fait pareil. On met un. Et vous allez donc descendre. Hop. Voilà, parfait. Jusqu'en bas. Donc là-bas, on fait le même. Hein. Hop, on descend. Parfait. Ça nous donne ça. Et donc là, à chaque fois, on va descendre deux par deux. Vous voyez, on va faire 1, 2. Puis, hop, on fait hop, hop, hop. Et vous voyez qu'à chaque fois, c'est 2 d'espace. 1, 2. 1, 2. Et là, on va faire le même. Donc, on fait ça, hop. 1, 2. Vous voyez, à chaque fois, on reprend du bas et on laisse toujours des espaces de 2 comme ça. Hop, 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 hop. 1, 2. Hop, 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 hop. 1, 2. Et là encore le même. 1, 2. D'accord. Donc je regardais, mais normalement, c'est bien ça. Voilà, c'est toujours des espaces de 2. Parfait. Sauf que là, vous pouvez voir que le petit dernier qu'on a mis ici, il doit pas être là. Donc hop, on enlève. Si vous avez pas compris, c'est pas grave. On va refaire le même de l'autre côté. On vient ici. On fait hop. 1, 2. Hop, 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 hop. On espace toujours 2 blocs. On revient là, toujours, hop, 2. On revient là, 1, 2. On revient ici, hop, 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 1, 2. On revient là, hop, 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 1, 2. Et là, hop, tout simplement, on revient et on termine pas le 1, 2, on va juste terminer en dessous de celui-là. Voilà. Une fois que c'est fait, vous pouvez prendre... Alors, j'avais pris quoi? J'avais pris... Voilà, les dalles de pierre. On va commencer par ici, la droite. Et on va commencer, donc c'est au niveau, hein, je pense, ouais. D'accord. Donc on commence là, et tout simplement, donc on commence ici, et tout simplement, on va toujours avec 1, en termes de dalles. D'accord. Hop, vous pouvez remarquer, on monte à chaque fois de 1. Et c'est parfait, vous voyez qu'on arrive pile au bon moment. Donc là, vous pouvez voir qu'on a déjà fait 1. Donc faut bien prendre en compte qu'on a déjà fait un truc comme ça. Donc là on va rajouter 12. Quand je dis 12 c'est vraiment après celui-là. Donc comptez avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. D'accord. Je recompte. On a déjà notre première colonne. Et là on refait 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. D'accord. Donc on fait ça toujours comme ça jusque là. Donc ça, ça sera ok du coup. Ici vous allez faire pareil. Donc là je vais vous montrer hein. Hop 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 hop. Voilà. Parfait.
Du coup, là, on a notre première colonne qui est faite. On rajoute encore une fois 12. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc là, tout simplement, vous faites 12 comme ça en chaque fois en revenant pour s'arrêter là. Vous faites pareil de ce côté-ci. Vous faites hop, vous arrêtez au même endroit que là. Et on va se retrouver tout de suite. Alors voilà les amis, une fois que vous avez fait vos escaliers des deux côtés, vous allez prendre le béton bleu. Et là, on va faire pareil que ce qu'on a fait là. Donc hop, tout simplement, on fait comme ça. Déjà, hein, premièrement, on va faire ça comme ça. Hop, 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 hop. On va s'arrêter à l'endroit pour remonter. Donc en l'occurrence, c'est ici. Hop, et on remonte au même endroit. D'accord, donc là, on refait pareil à chaque fois en laissant 2. Donc hop, là, on refait. Hop, parfait. Et donc là, on refait le même que là. Donc 1, 2, hop. Puis là on vient là, hop, on laisse 1, 2, on recommence, 1, 2, 1, 2, hop, et 1, 2, parfait, d'accord, voilà, ça nous donne ça. On va faire pareil de ce côté-ci, on commence là, on va aller jusque là pour pouvoir remonter, voilà, on remonte, et là on fait pareil, donc hop, et puis là on commence, 1, 2, hop, pardon, donc là hop pareil, 1, 2, 1, 2, 1, 2, et 1, 2, voilà, donc c'est vraiment le même que là, parfait. Donc là les amis, ce qu'on va pouvoir faire c'est tout simplement déjà, hop, je vais vous montrer les délimitations, hop, on commence d'ici, hop, on va jusque de l'autre côté, on va donc relier les deux escaliers. Hop hop hop, parfait. Donc voilà, maintenant ce que vous allez pouvoir faire c'est tout simplement descendre en fait, hein, jusqu'en bas. Hop, vous voyez, comme on a, enfin comme j'ai pu faire là, vous voyez que le bleu je l'ai descendu jusqu'en bas. Donc là on fait pareil, on descend tout le bleu qu'on a là, vous le descendez jusque là en bas. Faites ça pour tout le mur, on va se retrouver tout de suite. Alors voilà les amis, une fois que vous avez terminé de tout faire le mur bleu comme je vous ai dit, hein, donc une fois que vous avez tout recouvert, vous allez pouvoir faire maintenant les petits piliers blancs que vous pouvez voir juste ici. Donc on va vraiment faire la décoration du mur. Hein. Tout simplement, vous allez faire ça en laissant à chaque fois 5 blocs d'espace. Donc vous faites 1, 2, 3, 4, 5. Hop, 5 blocs d'espace. On met notre petit pilier. Vous voyez, on a bien ici 5 blocs. Donc là, on refait le même. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, parfait. Voilà. Vous voyez, vous faites à chaque fois vos piliers comme ça, donc vous faites ça jusqu'au bout, à chaque fois il y a 5 blocs d'espace et on va se retrouver tout de suite. Alors voilà les amis, une fois que vous avez à chaque fois fait 5 blocs d'espace entre les piliers, vous pouvez voir que vous obtenez ceci. Vous allez tout simplement mettre un bouton de pierre à chaque fois sur le haut des piliers, donc hop, hop, voilà. Donc vous faites ça sur tous les piliers, hein, sur tout le haut. Parfait. Maintenant, vous allez prendre les feuilles tropicales et vous allez faire ici, vous faites tout simplement deux rangées comme ça. Vous pouvez voir. Hein. Donc hop, vous faites ça comme ça jusqu'au bout. On va le faire ensemble, ça va aller assez vite. Hop, 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 voilà. Après, si vous avez envie de choisir... un autre type de feuille, vous pouvez également, moi j'ai pris celui-ci, mais vous pouvez vraiment choisir autre chose. Hop. Parfait. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on peut maintenant prendre la pierre. On va écrire tout simplement le mot stade ici, hein. Vous pouvez voir que c'est assez facile. Donc on va venir ici, comme on est de l'autre côté, on va venir tout simplement du côté gauche, hein. Ici, vu que là c'était le côté gauche, là on va venir juste ici. Au deuxième ici, et là on va faire tout simplement 1, 2, 3, 1, 2, hop, 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 voilà. Vous pouvez voir, hein, c'est vraiment super facile. Donc là on a le S, puis là on va faire le T, voilà, S, T. Ici on va faire le A, hop, hop, voilà, S, T, A. Ici on va faire le D, hop. Hop, 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 voilà, et ici on va faire le E, donc hop, 1, 2, 3, et hop, c'était vraiment super simple à réaliser les amis, hein. Donc vous voyez, on a le mot stade qui est fait. Maintenant vous pouvez prendre les feuilles d'épicéa,
Et vous allez à chaque fois faire 3 ici tout simplement, hop 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 hop, en variant un peu les hauteurs, hein. C'est comme vous voulez, donc moi je fais toujours 3 comme ça, mais en variant un peu, voilà, les hauteurs, hein. Je fais un peu comme je veux. Voilà, j'essaie de faire des plus grandes, des plus petites, c'est vraiment, vraiment comme vous voulez. Et voilà, donc hop, vous pouvez remarquer, j'ai varié un peu les hauteurs et j'ai mis le mot stade, les amis. Donc c'est exactement le même que ici. Voilà, tout simplement. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut ici prendre le béton blanc. Enfin non, d'abord on va prendre le béton bleu, hop. Et on va mettre simplement du béton bleu juste ici, hop. On va comme ça, hop 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 hop, on va s'arrêter juste en dessous de la limite, hein, pour le moment. Donc la limite, elle est là, voilà, hop, parfait. On fait ça de ce côté-ci. On va faire pareil de l'autre côté. Donc hop, on vient ici. Hop, voilà. Voilà, hop, hop, hop. Tout simplement. Voilà. Donc là, vous allez tout simplement remplir en bleu ce côté-ci jusque-là. Hein. Et vous allez faire le même de l'autre côté. On va se retrouver tout de suite. Alors voilà les amis, j'ai fini de faire les deux côtés, donc là maintenant vous allez pouvoir prendre le béton blanc, et là normalement j'avais laissé, ouais, 4 blocs, c'est bien ça, donc vous venez juste ici, hop, vous laissez 1, 2, 3, 4, non c'est 5 blocs hein, je pense, attendez je vais quand même regarder, mais normalement c'est comme le devant là, c'est 5 blocs, hein. Hop, ouais c'est bien ça, parfait. Donc vous venez ici, vous laissez 5 blocs d'écart, 1, 2, 3, 4, 5, hop, et vous refaites les mêmes piliers. Hop, parfait. Donc normalement il va en avoir 4 à 1 ici. Donc à chaque fois on laisse les 5 blocs d'écart. Hop, 1, 2, 3, 4, 5. Hop, ici pareil, 1, 2, 3, 4 et 5. Et voilà. Parfait. Là encore une fois on met nos petits boutons. Et là après vous pouvez mettre de la déco comme vous voulez, hein. Là je l'ai pas fait mais vous pouvez le faire également. Donc là on va refaire pareil. Hop, 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4, 5, hop. 1, 2, 3, 4 et 5, hop 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 hop. 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà, donc là on remet nos petits boutons, hop, et voilà tout simplement. Donc là les amis, vous pouvez voir qu'on a terminé de faire ce petit côté-ci, et donc je vous recommande de faire exactement le même de l'autre côté. Donc là encore une fois, vous faites un retour dans la vidéo pour retrouver le moment où j'ai fait cette petite muraille et tout là, donc vous faites ça, et vous recommencez de ce côté-ci, donc c'est vraiment exactement le même, hein. C'est vraiment pareil. Il n'y a rien qui change, donc voilà. Donc on va se retrouver tout de suite une fois que vous aurez terminé de faire ce côté-ci de l'autre côté. Et donc on va se retrouver tout de suite les amis. Alors voilà les amis, vous pouvez remarquer, j'ai donc terminé de faire ce côté-ci également. Donc ce côté-ci est fait et l'autre là-bas est fait également. Donc tout est fait de la même manière. Hein. Donc voilà, voilà. Vous pouvez remarquer. Alors une fois qu'on a fait ça, on peut passer maintenant sur le côté gauche ici. Et puis on fera le côté droit par après. On va tout simplement... en fait continuer, vous voyez qu'on était arrivé ici hein. Et bah là on va tout simplement continuer en fait bah tout ce mur en fait hein. Donc je vais vous montrer rien que la base et puis il faudra juste le monter en fait. Donc ce mur là on va juste le monter, enfin le faire, l'accompagner jusque de l'autre côté. Et puis il faudra le monter en hauteur. Et on va faire pareil de, pardon, de l'autre côté hein. Donc hop 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 hop, je sais bien que c'est assez long ici. Voilà, parfait, vous voyez. Et donc là, on monte tout simplement, hop, comme ça, vous voyez. Vous voyez, hop, tout simplement. D'accord, donc là, on fait ça pour tout le mur. Et vous faites pareil, donc, pour ici. Hop, hop, hop. Vous faites pareil pour ici, hein, donc vous faites le même. Et on va se retrouver tout de suite une fois que le mur sera terminé. Alors voilà, les amis, vous pouvez remarquer, j'ai donc terminé de finir le mur ici. Et j'ai terminé également de finir le mur. Hop, 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 hop. Juste ici.
Donc une fois qu'on a fait ça, on peut tout simplement maintenant prendre le béton blanc et on va faire tout simplement le petit mur qui est juste ici. Hop, 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 vous voyez, hop, le petit mur qui est juste ici. Donc c'est 4 blocs, j'ai fait, je pense. Hein. Donc ouais, il y a 3 là et je pense qu'il y a un bloc qui est là. Ouais, hop. Donc voilà, hop, on vient ici. Et ici, tout simplement, on va faire, hop, à partir de là, 1, 2, 3 et 4. Et donc, on fait ça comme ça, vous voyez, 1, 2, 3, 4, comme ça, sur tout le long. Donc, jusque de l'autre côté. Et on va faire pareil de l'autre côté là-bas. Donc, on va se retrouver tout de suite une fois que ça sera fait. Alors, voilà, les amis, vous pouvez remarquer, j'ai donc fini de faire le mur ici et le mur juste ici. Donc, voilà, j'ai fait 4 blocs en hauteur là et pareil de l'autre côté. Du coup, ici, on va tout simplement pouvoir faire cette grande arche ici. Hein. Donc, pour faire cette grande arche, on va commencer directement, vous voyez, juste ici. Donc là, on a deux blocs là et les trois blocs là, hein, je pense. Hop, ok. Donc là, on a 5 à ce niveau-ci. Là, on a encore 5. Puis là, on a encore 5. Donc, ça fait 3 fois 5. Puis 6. Puis ici, on a encore 6. Puis ici, on a, hop, encore une fois 6. Et là, on a 7. Et 7, je pense. Non, ici c'est 8. Donc là c'est 8, 7, 6, 6 et 6. Donc c'est 3 x 5, 3 x 6, 7 et 8. Ok. De toute façon, je vais vous expliquer. Hein. Donc tout simplement, on va se retrouver déjà hop, juste ici. On va faire ici un là et puis un là comme ça. Donc ça nous donne ça. Puis ici, on va pouvoir faire hop. Voilà. C'est comme ça, hein, si je me trompe pas. Donc là, voilà. J'ai quand même regardé hein, parce que j'ai pas envie de me tromper, les amis. Du coup, faut faire deux comme ça. Ok. Du coup, là, on a hop deux blocs comme ça. On va encore en rajouter un. Hop, ça nous donne ça. Vous voyez, on rajoute deux blocs comme ça. Puis ici, on fait hop, un, deux. Ça nous donne 5 au total. Donc, on a deux blocs sur la gauche, deux blocs sur la droite du mur. Tout en étant un peu à côté du mur. Hein. Vous pouvez remarquer. Hop. D'accord. Donc on a 5, puis aussi on refait avec un bloc de décalage, on refait 5, donc 1, 2, 3, 4, 5, d'accord? Ça nous donne ça, puis on refait encore 5, 1, 2, 3, 4 et 5, d'accord? Donc là on a une fois, deux fois, trois fois 5, puis ici on va faire 6, hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, puis on refait 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et puis on refait encore une fois 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, on a 3 x 5 et puis 3 x 6. Puis ici, on va faire 7. Hop, hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ici, on va faire 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, tout simplement. Donc là, une fois que vous avez fait ça, on va faire pareil de l'autre côté. Donc on vient là, on met un bloc. Ici, on en met un là, on a ça. On va faire 2 par là et puis 2 par là. Hop, hop, voilà, d'accord. Donc là, on a une fois 5, puis là, on fait encore 5. Hop, 1, 2, 3, 4, 5. Puis là, on refait 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, on a nos 3 fois 5. Puis là, on va faire donc 3 fois 6 encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Puis ici, on va faire 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ici, on va faire 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Du coup, là, on refait un au-dessus. Et là, si tout simplement, on revient comme ça, on va atterrir tout simplement au bon endroit. Donc, vous allez voir. Hop, vous voyez, c'est parfait. Donc, notre arche est faite, les amis. Tout simplement. Donc vous avez fait cette arche de ce côté-ci, vous refaites la même de l'autre côté. Donc je vais faire avec vous hein, ça. Donc hop, au moins ça sera fait. Hop, 1, 2. 1, 2, c'est toujours le même, hein, c'est égal à par là. Donc là on fait encore une fois 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Puis là on fait 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Vous voyez, hop. 3 x 6 et 3 x 5. Puis là, on fait 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Hop, on fait pareil de l'autre côté.
Hop, hop, voilà. 1, 2. 1, 2. Donc là, on a une fois 5. Hop, on a 2 fois 5. 1, 2, 3, 4, 5. On a 3 fois 5. Puis là encore, on fait 3 fois 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop. Et là, hop. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Puis là, on fait 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, on fait 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Hop, et puis là donc si on fait 1 comme ça, hop, on va normalement atterrir au même niveau que là-bas. Du coup, hop, voilà, parfait. On a nos deux arches qui sont faites. On va prendre les escaliers en pierre. Hop, on va venir juste ici. Et là on va tout simplement laisser un bloc vide là. Et au deuxième, on va tout simplement mettre des escaliers comme ça. Donc surtout le long, on fera pareil de l'autre côté. Hop, 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 on continue. Voilà, on fait pareil de ce côté-là. Hop, 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 hop. Donc, vous pouvez remarquer que les escaliers, je les mets à l'envers, hein, je les mets pas à l'endroit. Voilà. Du coup, ça nous donne ça. D'accord. Et du coup, les amis, tout simplement, vous allez devoir refaire le toit. Donc le toit comme moi j'ai pu faire là-bas avec deux blocs. Donc les deux blocs, c'est pas compliqué. C'est la terre. Pas la terre, pardon. C'est la, le vert bleu et le vert blanc. Donc hop, le vert teinté en blanc et le vert teinté en bleu. Alors ce qu'il faudra faire, c'est tout simplement venir dans votre stock ici. Et là, vous allez devoir prendre... Une fois 64 de vert teinté en blanc, puis une fois 64 de vert teinté en bleu, puis une fois hop, puis une fois hop, une fois... Pardon, hop, je me suis trompé, on va recommencer. Donc une fois blanc, une fois bleu, mais il faut prendre bien 64. Hein, donc à chaque fois, hop, hop, on alterne à chaque fois. Hop, et voilà. Donc vous voyez, j'ai fait bleu, blanc, voilà, à chaque fois, pour avoir ça comme ça. Et puis là, tout simplement, vous allez, hop... Aller d'un côté à un autre tout en faisant ça, vous voyez. Hop, 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 hop. Puis là, on fait pareil pour celui-là. Hop. Hop, 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 hop. Vous voyez. Et à chaque fois, vous faites comme ça d'un côté à un autre en étant au bon, à la bonne hauteur, hein, vous pouvez remarquer. Donc voilà, hop, vous voyez. C'est vraiment pas compliqué. Vous faites tout simplement ça. Donc vous changez. Hein, donc tout simplement pour changer de bloc comme moi je fais, vous devez appuyer en même temps sur R1. Vous voyez. Vous appuyez sur R1 simultanément. Ça va vous faire changer de bloc en fait. Hop, 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 vous nous voyez. Hop, vous voyez, ça nous donne ça pour le moment. Donc voilà, tout simplement, vous faites ça pour la totalité du toit. En allant, voilà, d'un côté à un autre. Hein, donc pour plus de facilité pour vous, vous allez tout simplement, hop, jusque de l'autre côté comme ça. Et du coup, vous allez atterrir là-bas. Et vous faites ça sur toute l'arche. Et puis les amis, on aura terminé ce stade. Hein, on aura terminé ce stade. Voilà, voilà. Donc voilà voilà les amis. Donc on va se retrouver tout de suite une fois que vous aurez terminé de faire ce toit en verre. Je sais que ça va prendre du temps pour vous, mais voilà, ce sera terminé une fois que ça sera fait. Donc à tout de suite les amis. Alors voilà les amis, vous pouvez remarquer, j'ai le toit en verre qui est ici. Mais en fait j'ai un peu triché, c'est qu'en fait moi j'ai pas terminé le toit en verre qui était là parce que j'allais prendre pas mal de temps. Du coup je suis directement venu dans le stade que j'avais déjà fait, où en fait le toit en verre est déjà fait en fait. Hein, mais vous allez obtenir le même résultat, hein, tout simplement. C'est juste que moi je l'ai pas fait là-bas. Mais vous allez obtenir le même résultat si je l'avais fait ou pas. Donc voilà, vous aurez eu le même résultat ici. Donc là, ce que j'ai pu faire moi ici, c'est que vous voyez que là, j'ai fait des petites lignes, hein, des petites lignes vertes, claires et vertes foncées. Donc tout simplement, si vous voulez faire le même que moi, vous avez tout simplement à prendre une couleur, donc un des deux, et venir au milieu et faire 1, 2, 3. Vous voyez, comme moi j'ai pu faire ici, avec la ligne du milieu qui sépare au milieu. Et puis vous faites toujours 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vous voyez, vous faites ça jusqu'à aller jusqu'au mur en fait, hein. Donc voilà, tout simplement, vous commencez ici au milieu avec 3 bandes, 1, 2, 3, et puis vous continuez à chaque fois comme ça. Voilà, voilà, faites une petite pause pour voir si vous voulez vraiment le faire. Après, c'est pas obligatoire, hein. Mais du coup, voilà les amis, je pense vraiment que le tuto est terminé. Bon là, je vous le dis, comme j'ai fait, j'ai pas fait le toit, hein, mais bon, le toit serait terminé, ce serait le même. Mais donc voilà les amis, j'espère vraiment que ce tuto vous aura plu.
Moi, je vous dis à la prochaine pour de prochains tutos et de prochaines vidéos. En tout cas, je voudrais souligner et remercier la participation de trois amis qui m'ont aidé à faire la totalité du stade hein, là-bas parce que c'était vraiment long à faire. Du coup, je les remercie. Donc, merci à eux, ils se reconnaîtront hein, bien évidemment. Et donc, les amis, j'espère que ce tuto vous a plu. Moi, je vous dis à la prochaine pour de prochains tutos et de prochaines vidéos sur la chaîne. C'était Cardex. Salut à tous!